Après des heures de bombardement, place à l'infanterie. 12 km à pied, nous ramassons des bitins de guerre. Et ce qui est le document témoignant, la présence de l'ennemi qui était bien dans le parage. Ça, c'est des pièces à conviction. Non oui. seulement il y a le Coran. Le Coran. Pour la radicalisation. Et puis nous avons hein? Le Coran pour la radicalisation. Mais également la monnaie burundaise. Et tanzanienne. La monnaie tanzanienne. La monnaie tanzanienne. Donc la monnaie burundaise et la monnaie tanzanienne. C'est-à-dire qu'ici, c'est un centre de négoces. Oui. Mais aussi un lieu de terreur pour programmer, planifier les opérations destinées à tuer, à égorger, juger, condamner et pendre des gens. La conquête de la haie, c'est une très grande victoire du fait que nous avons pris le grand carrefour où les éléments des EDF pourraient, à partir d'ici, accéder vers Nyaleke, accéder vers Kasinga, accéder vers Ngadi, accéder vers Ngite, bref, accéder vers la nationale numéro 4. Et cela, à partir d'ici, il avait la voie libre à aller vers Semilik et jusqu'au niveau de Rwenzori. Donc, la prise de cette position diminue la capacité opérationnelle et la liberté de mouvement des éléments des EDF. La biso efforts de ça, ils ont collé Munguna et Sikake, puisque tous en allant dans les zones baboy. Alors objectif est la biso de quoi tu conquérir les Sikaba Zalaki, Kosala, Koskobani, la opération là, ko Beta Beni, ko Beta Mituka, ko Kende Kasindi. Alors tous ont des Siko. Deuxième phase, ko Beta Mangwe Sikaba continue à confluer ya mai rivière mai lingi et Sikaba côté lina semuli qui po bakende na. On ne doit pas le permettre même de traverser. Donc notre objectif c'est le détruire, le neutraliser. Parce que si on le fait encore traverser, c'est comme si on fait continuer encore la guerre. Donc si on le neutralise à ce moment-là, nous serons quiets du fait que les EDF sont réellement neutralisés. Et les gens de Mayangos peuvent reprendre les activités champêtres. Ils sont venus de plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Loin de chez eux, loin de leur famille, ces militaires sont déterminés à mettre en déroute l'ennemi. L'ennemi ne voulait pas seulement l'air coloniser, mais il voulait aussi l'air imposer son mode de vie. Aujourd'hui, ces militaires sont réunis autour d'un slogan, simplement effardécé. Ils sont des fils, ils sont des pères, ils sont des enfants, des cousins, mais tout simplement effardécé. Commanditaires des tueries, parmi lesquels des politiciens, des hommes d'affaires, des jeunes, des membres de mouvements citoyens, des collaborateurs. Ils ont également fait des révélations sur les sources de financement locales et externes, mais aussi sur la localisation des auteurs, co-auteurs et complices basés à Beni, à Butembo, à Lubero, à Kinshasa et même à l'extérieur de notre pays. Je vous informe que l'abbé Machozi, qui a été enlevé et tué, ils l'ont dit, c'est eux qui l'ont tué. Ils sont là. Population ya Beni inasaidia ya jeshi yetu. Na niko na furaha na namjikia kwanza asante. Les opérations déclenchées depuis le 30 octobre dernier
continuent et sont continuellement couronnés de succès. Vous le savez, depuis le début de ces opérations, nous avons neutralisé 4 des 6 grands chefs terroristes de l'ADF. Nous les avons neutralisés de manière définitive. Les 2 autres qui sont encore actifs sur le théâtre, sur le terrain, sont instantanément recherchés. Ils ne pourront nous échapper. On va vous montrer les conditions à laquelle nos militaires et FARDC se battent. Aujourd'hui, toutes les conditions étaient améliorées par les chefs de l'État, le commandant suprême, pour permettre à ce que nos militaires aient une bonne vie aux premières lignes de front. Maintenant, aujourd'hui, on est compté parmi les 9 premières en Afrique. Et demain après-demain, soit l'année prochaine, on peut être parmi les 3e. Vu les conditions à laquelle le militaire travaille, vu les nombres d'effectifs que nous avons, vu aussi les matériels que nous possédons. On a qu'une seule armée. Et mon lieu, vous ne verrez jamais les Européens, les Américains critiquer leur armée. Vous ne verrez jamais, jamais dans la vie, les Européens, les Américains mettre en poil tout ce qui se passe dans leur corps militaire. Jamais. Mais nous, les Congolais, toutes les salités au jet de sur nos forces, tout ce qui se passe au jet de sur nos forces, les gars, je pense qu'ils ne méritent pas ça. Kama munafita jeshi, itafaa nini? Masasi itafaa nini? Itapiga na batu watalumia. Muliona gisi she tulipigana mwa operasyo hapa, hakuna hata sivili mwenye alikufa. Bongo, hakuna hata mwenye alikufa. Na kila mwenye alikamatiwa muvita pale na masasi likuwa mingi na mabombi, balitoka na mulibaona na viko bazima. Prezida alisema hii vitu ya ADF kutoa amalizi hali. Na kumaliza mutakuwa na jeshi kuni. Kitu sasa ndabaomba mukwe nasikilizana basoda. Tunasikilizana.
Unaona ni ya kwanza muingie kule ndani na mnakuta wasoda wanaikala muni. Munaweza kuwa na ogopana. Na kila siku gisi mko na zoeana, pole pole mutafaa nini? Mutaiwana. Tuye muna wafia, sabi sisi ya 3-4 heures de vol de la de Béni, là où il n'y a pas longtemps, il y a eu des affrontements. Vraiment, vous allez voir la population qui a un sourire aux lèvres. Aujourd'hui, deux efforts et sacrifices suprêmes. Nos militaires, ces gens derrière moi, qui se réjouissent et fêtaient bonne année et Noël en famille, aujourd'hui, grâce aux efforts et à la détermination de notre chef de l'État, ces gens-ci peuvent aller là dans l'air champ. Ils peuvent récolter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de les récoltes. Nous, nous n'avons pas besoin de la capule à Maïla de Kikimba. Apa ni wapi? Apa ni Kabusu. Apa kulipo vita? Vita ilikuwa ni kukweki. Watu gana lipigana hapa? Apa ni afadel na mubwa pamoja na FARDC. Apa kabisa ni kini ya kwanja. Apa kabisa merci sana kuhusu njuku kisa kwa na nchi ndia ya kukweki. Chazenda kulima yote kabisa na panja tosha chakula yetu iko na kulikuwa na pisha tarisha yote tuko na ipakie bia bado iba na kichunga hapa tuko na amani kabisa tuko na wala mzuri kishamba hakuna shida ni president iko na kuona kwa television anaambia basi anafadi kusaidia kutulia yeye kutuambia maneno yenyewe huko hapa tunafurahi sana eh yuko na yeye mwenyewe kuchunga na kusaidia. Kutalima mzuri, hakuna shida. Tunalala mhukuletu kimimba ya puri, hakuna mulango. Tukunalala, tunalamuka mzuri, tunangia kumashamba. Hakuna shida. Hapa tuko ku Grabene Mama Ruta. Hapa mapambano nyingi lipitikana isha. Hapa tunapumua tena salama. Hapa leo wamesha turuhusu tuingie mashamba, tuende tukavuna milimo yetu. Hapa mashamba na soko vile mianja yaendelea tena vizuri. Na ushinda kushamba mara ngapi? Hapa tuko na shuka kila siku tunarudia tena. Tunashuka tunarudia. Na sio waliwapatia majeto ni nini? Walitupatia majeto yaani asawa identification juu tuweze kuingia mograbeni. Twende tukakamata mavuno ya mashamba yetu. Hapa leo. Biashara ile il est vrai que le pouvoir à Kinshasa est déterminé à mettre fin à cette aventure de ADF-NA. Si nous sommes dans le domaine de l'action militaire qui exige de renseignements sûrs, pour réussir, il faut la contribution du gouvernement, certainement. Le gouvernement doit mettre à la disposition des militaires, des policiers, de tous ceux qui travaillent ici, le moyen conséquent pour faire ce travail. Deuxièmement, il faut aussi la collaboration de la population locale. Si la population n'a pas confiance aux forces de sécurité qui sont là, ils peuvent avoir tous les instruments, toute la force de frappe qu'on peut imaginer. Mais si la population ne collabore pas, le travail deviendra difficile. Nous voudrions remercier l'armée pour l'engagement pour ouvrir déjà les routes de dessertes agricoles. Le territoire de Béni, essentiellement la ville de Béni, sont dans la province Nord Kivu et le Nord Kivu est une province essentiellement agricole. Nous pensons que c'est au-delà des efforts fournis pour rétablir la paix et la sécurité, c'est un atout important pour permettre que la production agricole puisse arriver dans les centres de consommation. C'est normal que toute la population, tous les notables et tout celui qui veut, d'avoir une bonne lecture est la vraie. Et que nous avons le devoir, nous comme autorité politique administrative, de pouvoir accompagner cette armée, la seule armée que nous avons. Elle est en train de prester dans des zones qui jadis étaient inaccessibles, mais aujourd'hui c'est déjà accessible grâce à leurs efforts. Et que nous devons transmettre ces prouesses à la population pour que ces derniers s'approprient cette armée, leur armée. Donc,
que l'armée a vraiment travaillé pour l'intérêt de la communauté et nous continuerons toujours à la féliciter et à dire merci à tous ces combattants FARDC qui sont en train d'accepter vraiment de perdre leur vie sur le front, en ville, comme en territoire de Beni. Et c'est la raison pour laquelle à Beniville, il y a même des habitants qui continuent à vivre. Et voilà que vous nous trouvez en ville de Beni, tout simplement puisqu'il y a nos militaires, nos vaillants, vraiment des officiers, les hauts gradés qui sont en train d'accepter de venir au niveau de la ligne de front pour combattre l'ennemi qui ne cesse vraiment d'endeuiller la ville de Beni. Je suis toujours positif par rapport à ce que le chef de l'État avait dit. C'est vrai, l'été passé, il a promis beaucoup de choses, surtout par rapport à la situation sécuritaire dans notre contrée. Bien qu'il y a des troupes ça et là, mais nous sommes toujours positifs et optimistes que tout va changer parce que nous sommes aussi en train de voir pour le moment des grands changements et des avancées significatives. Qui nous a été imposé, nous ne sommes pas pour. C'est pourquoi nous, les femmes libères de la République, nous sommes dit que nous devons accompagner nos deux forces, donc l'armée et la police. L'armée qui est au ligne des fronts, nous devons l'accompagner, sensibiliser à nos semblables et la population de Beni pour soutenir cette armée jour et nuit, qui passe nuit dans la forêt, qui perd ses semblables aussi. Nous devons soutenir l'armée et l'accompagner. Donc, notre appui est nécessaire à ce moment pour notre armée. Et nous ne voudrions pas que nous soyons complices de cette aventure meurtrière. C'est pourquoi nous mobilisons l'Assemblée de la Nation, l'Assemblée des États amis à la RDC, l'Assemblée du monde, à nous liguer ensemble derrière les FARDC pour que l'on finisse avec cette entreprise avant qu'elle n'embrasse toute la région, avant qu'elle n'embrasse tous les continents et tout le monde entier. Effectivement que nulle part ailleurs on voit une population d'une république, d'une nation commencer à jeter des pierres sur son armée. Non, l'armée ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants, ce sont nos, parfois nos parents qui partent se battre au front, qui laissent leur famille. Et nous ne pouvons que les encourager, les féliciter, les aimer, prier pour eux. Pa kabisa merci sana kuhusu kupisa kwa nanjengea kupuri. Kazaenda kulima. Yote kabisa na kwanja tosha chakula yetu huko na tulikuwa na tisha tarisha yote tuko na ipakie bien. Amani kidogo tunaye benye bana tuchunga hapa tuko na amani kabisa, tuko na lala mzuri kushamba. Hakuna shida. Hapa tuna furahi sana. Yuko tumeyo mwenye anatuchunga na tusaidia. Tutalima mzuri, hakuna shida. Tuna lala tu, tunalamuka mzuri, tunaingia kwa mashamba. Hakuna shida. Basi da barabara bara kwa lazima jambo mama, jambo sana mko na lima. Mimi ndio nalomba tunamupa. Hakuna shida, tunaishi mzuri.